Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft les amis. Et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Parce que du coup les amis aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire? Aujourd'hui nous allons faire un ne choisissez pas le mauvais lama de Fortnite. Et comme vous pouvez le voir derrière moi nous avons 2 lamas géants. Avec dans chacun de ces lamas un personnage différent. Alors aujourd'hui les amis on aura du coup le personnage qui est du coup la base de du lama de Fortnite. Et ensuite nous aurons le lama de Roblox. Donc du coup voilà, juste avant qu'on commence la vidéo je compte sur vous pour que vous vous abonniez à la chaîne, que vous mettiez tous aussi un petit pouce bleu. Je compte sur vous sur cette vidéo, je voudrais qu'il y ait au moins un pouce bleu et que aussi on arrive à atteindre les 200 000 abonnés, parce que dès que j'arriverai aux 200 000 abonnés je vous réparerai une très grosse surprise. Donc du coup je compte sur vous pour que vous soyez là, pour que vous continuez à vous abonner. Et sur ce bah du coup nous on est directement parti. Je pense qu'on va commencer avec le lama de Fortnite parce que il va être un petit peu moins surprenant que celui de Roblox. Vous allez voir, regardez bien la vidéo jusqu'au lama de Roblox parce que ça va être juste un truc de malade. Donc je vous conseille juste à tous de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et nous c'est parti, on va directement aller dans le lama de Fortnite, voir un petit peu bah, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il aurait besoin quoi. Donc du coup tac, hop, on va monter par là. Et voilà, tac, ok, donc on a une petite ok, bon c'est bon, on a une petite trappe ici, yes, ok. Bon, ok, donc là les gars, je sais pas si vous pouvez voir, mais on a une sorte de joueur Fortnite qui est en train de... Bah je crois qu'il est en train de jouer justement, donc attendez, on va juste mettre une nouvelle lumière ici parce que je vois pas grand chose, tac, voilà. Ok, on va lui dire bonjour, coucou. Salut. Ça va? Oui. Ah ouais, c'est toi le joueur Fortnite là que j'ai vu tout à l'heure? Ah ok, oui. Et il y a écrit quoi ici? Code créateur, twinner, twinner, tire... What? Oh, t'as mis mon code créateur. T'as mis mon code créateur dans la boutique. Ah, c'est un skin. Ah, j'ai acheté un skin, vas-y, bah achète le skin, vas-y. Bah j'ai acheté, Sophia. Ah, t'as acheté le skin Sophia, bah nickel. Bon les amis, si vous voulez faire pareil que le soldat simplement de Fortnite, mettez tous mon code créateur dans la boutique, c'est tout simplement twinner-wxr comme ceci, avec twinner avec un seul N. Et si vous le mettez, vous pourrez participer à un concours pour gagner jusqu'à 1000€ de V-Bucks, donc mettez-le tous dès maintenant, parce que peut-être que vous pourrez participer à un concours de fou. Alors ici, il y a écrit un petit message. Mission, trouvez tout le stuff pour faire un combat. Ouh, tu veux faire un combat contre qui, monsieur? Toi. Contre moi? Ah d'accord, ok, moi du coup j'imagine qu'il faut que je me mette en game mode S. Tac, oui. Voilà. Ok, bon, étant donné qu'il va falloir que je trouve des trucs pour faire un combat contre toi, et eh bah je vais chercher si dans ta maison il n'y aurait pas de trucs cachés. Alors déjà ici les amis on a des boucliers, donc je pense qu'il doit y en avoir sûrement un chacun, donc tiens je te donne un. Voilà, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres trucs par hasard? Tac, alors on va mettre le bouclier dans la deuxième main. Voilà, nickel, alors est-ce qu'on n'aurait pas d'autres trucs? Ok, là les amis on vient de trouver une épée, alors ici qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, des flèches, et oh, il y a une arbalète. Ok, nickel. Ici on a de la nourriture si jamais on en a besoin. Ici on a rien. Ici on a rien. Peut-être que sous ce truc là il y aura un truc. Non, ok. Et bah je pense qu'on est bon. Je pense qu'il n'y a pas d'autre stuff en plus à moins que j'ai loupé un truc. Peut-être que ici. Ah, attends. J'ai peut-être loupé un coffre. Non, là j'en vois pas. Peut-être que ici il y a un coffre. Attendez, on va essayer de voir. Non, j'ai pas de. Putain. Ce qui est chiant c'est que j'ai pas de pioche pour voir s'il n'y a pas un truc en dessous. Faut voir. Tac, non, ok, bon, y'a rien. Bon bah je pense qu'on est bon, je pense que si tu veux faire le combat, bon on est prêt pour faire le combat. Bah donne-moi l'arbalète. Ah toi tu prends l'arbalète et moi je prends l'épée. Ouais. Ah d'accord, ok, tac, voilà. Nickel, bon du coup y'a plus qu'à ce que tu te mettes pardon en créatif, en survie pardon, et on sera nickel. J'ai fait un survie. Bah non, regarde. T'es pas en survie hein. Ouais, vas-y, mets-toi en survie. Parce que sinon, les amis, je ne peux pas attaquer du coup le monstre. Tac. Ah, ouais, d'accord. Ah non, les amis, je crois qu'il y a le PVP qui est désactivé sur la map. Attendez, on va l'activer directement. Alors, tac, tac, hop. Voilà, c'est bon, nickel. Regarde, essaye de me taper. Nickel, voilà, c'est parfait. Bon, du coup, quand tu veux le match, on le commence. Du coup, tac, tu me dis. Voilà. Bah, prêt. T'es prêt? Ok, bah, go, on commence. Wow. Ouais, les gars, par contre, sa flèche, elle me fait super mal, regardez. Attendez, mais les gars, s'il se met à camper comme ça aussi, ça va être un petit peu galère, hein. Tac. Attendez. Parce que les gars, là, il doit arriver, je crois. Non, oh, ok, c'est parti les gars, c'est parti. Tac, c'est parti. Oh les gars, je viens de tuer le joueur Fortnite. C'était beaucoup plus facile que ce que j'aurais pensé au final. Bon, il m'a quand même fait très peur quand même avec ses flèches, parce que ses flèches elles étaient quand même très violentes. Mais bref, du coup on a réussi à le tuer. Comme vous pouvez voir, je viens de débloquer son arbalète qui a l'air aussi très sympathique. Regardez un petit peu ça. Tac, on est là et là. Ok, bon, elles sont là d'être très violentes ces flèches là en vrai, les flèches de cette arbalète. Donc du coup voilà pour ce qui est de la base de Fortnite, c'était plutôt cool. Je pense que maintenant on devrait aller à la base de Roblox qui devrait être encore mieux. Regardez, ouais, c'est trop stylé, l'arbalète c'est carrément remise dans son truc. Bon bref, du coup c'est parti, tac, on va quitter cette maison et on va maintenant aller dans le lama de Roblox. Du coup tac, on va se remettre nous en créatif, voilà, nickel. Ok, donc du coup je vous dis à tout de suite dans le lama de Roblox.
Bon, du coup les amis, c'est bon, nous avons fini pour ce qui est du coup de la base de Fortnite. On va maintenant passer un peu plus aux choses sérieuses avec la base de Roblox. Donc déjà on va enlever l'inventaire parce qu'après monsieur Roblox va penser que je veux l'attaquer. Donc du coup tac, voilà, c'est nickel. Bon voilà, bon pour l'instant j'ai un petit peu rangé ça comme ça. On sait jamais, peut-être que Roblox lui aussi sera un petit peu méchant, qu'est-ce qu'on en sait après tout. Bon du coup voilà, là j'ai rangé mon inventaire, il va peut-être avoir l'impression que je suis totalement normal. Enfin, il devrait avoir l'impression que je suis normal d'ailleurs. Du coup c'est parti, tac, on va monter les escaliers, on va aller lui dire bonjour à monsieur Roblox, j'espère qu'il va bien en tout cas. Tac. Voilà, c'est bon, je suis chez Roblox. Oh, bonjour, salut Roblox, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, bah moi ça va super, ça va tranquille, tranquille. Bon, du coup Roblox, je suis venu aujourd'hui parce que apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, enfin d'après ce que mes collègues ont dit, et d'ailleurs même le monsieur Fortnite a dit, c'est que t'avais une mission ultra importante dans laquelle je devrais normalement t'aider. Oui. Alors du coup, explique-moi un petit peu si tu veux bien m'expliquer. En fait, je compte déménager, mais le problème c'est les poissons. Ah oui, d'accord. Ah, t'as des poissons? Pour que je les amène à un autre endroit. Il faut que je quoi? Que tu prennes les poissons avec des seaux et que pour que je les déplace. Ah d'accord, ok, donc en fait ce qu'il faut que je te fasse, c'est que je prenne des seaux vides et que je les remplisse avec des poissons dedans. D'accord, ouais. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est que on va directement y aller, tac, ok. Ah oui d'accord, t'as quand même pas mal de coffres. C'est en survie. Hein. On va prendre tac 15, on va les prendre, allez, un stack de coffres. On va même en prendre deux, allez, tiens, tant qu'à faire, tac, deux stacks de coffres, hop, 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 et. Voilà, c'est bon, nickel. Donc là, normalement, je devrais avoir ce qu'il faut. Donc, du coup, s'il faut que je fasse ça en survie, j'imagine qu'il va falloir que j'aille essayer d'aller chercher du bois pour que je puisse escalader ici. Parce que sinon, je vais faire couler l'eau. Donc, du coup, c'est parti, tac. On va aller chercher du bois parce que sinon, je vais faire couler l'eau. Il y aura de l'eau qui va déborder de partout. Du coup, c'est parti, tac. Hop, on va prendre, allez, on va prendre au moins 3 petites planches de bois. 3 petites. C'est pas des planches de bois, mais pas. 3 troncs de bois, voilà, 3 troncs de chêne. Hop, voilà, je pense que là ça sera cool. Nickel, bon, hop, tac, on va faire ça. On va peut-être s'en faire un dernier, là on sait jamais. Qui sait, peut-être qu'on va en avoir besoin de ce quatrième là. Et puis bah on va pouvoir se faire un bon petit bois, vous allez voir que ça va être super sympathique. Non, excusez-moi. Bon du coup c'est pas grave, tac, hop, on finit de casser ça. Et attention, on va prendre le bois du coup qui est juste en dessous. Et puis ensuite on va aller retourner voir Roblox et aller chercher du coup les poissons dont il a besoin. Parce qu'à mon avis il va avoir besoin de pas mal de poissons là pour faire ses petits trucs. Hop, voilà. Nickel, c'est parfait, hop, et voilà. Donc du coup voilà, j'ai déjà 20 petites planches de bois, ce qui suffiront largement pour faire du coup le truc que j'ai besoin. Tac, oh, là, non attendez. Et what, ça va plus passer, ok nickel. Bon du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire ici là un petit passage. Donc du coup tac, hop, 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 et hop là voilà. Donc je pense qu'on va se faire un truc comme ça. Quoique là je ne peux même pas passer, donc attends, on va juste casser ici. On va casser ici parce que c'est les amis, sinon je ne peux pas passer. Allez, casse-toi. Ce sont les amis, la lanterne, après c'est facile à casser, donc c'est parfait. Tac, voilà. Et voilà, nickel, donc du coup c'est bon, on n'a plus qu'à passer. Hop, oh les gars. Bon, tac. Voilà, c'est bon, nickel, parfait. Ok, bon, maintenant on va pouvoir aller chercher du coup ces petits poissons du coup. Alors on en a, oula, il y a des poissons qui m'attaquent là. Oula, ok, donc j'ai chopé un poisson. Un deuxième là ici. Allez, un troisième. Un quatrième, un cinquième, un 6, 7. Oh les gars, je chope tous les poissons là. Waouh. Tac, tac. Ok, bon, par contre, les dauphins, ça va être compliqué à les choper. Par contre, tac, donc hop, tiens là. Ok, bon, du coup, Roblox, juste, j'ai un truc à te dire. Les gros requins, enfin, les dauphins, je vais pas pouvoir les attraper. C'est pas grave. Avec les seaux, mais du coup, voilà, je t'ai ramené du coup tous tes petits poissons dans des petits sachets. Donc, tiens, hop, voilà. Hop. Tac. Et voilà, donc du coup voilà tous tes petits poissons. Donc désolé mais les dauphins j'ai pas réussi à les choper parce qu'ils ont l'air d'être quand même un petit peu coriaces. Et bah attends, tu sais quoi, je vais quand même réessayer. On va essayer de choper les petits dauphins, mais je pense qu'on ne peut pas normalement. Donc du coup tac, ouais non c'est pas possible. Bon, ce qu'on va faire c'est que on va re-rentrer parce que les amis, les requins ne sont pas possibles à attraper. Du coup voilà, bon désolé Roblox, du coup je vais te rendre tes seaux d'eau parce que, enfin tes seaux vides pardon, parce que les requins ne veulent, enfin les requins ou dauphins, je sais pas ce que c'est, ne veulent pas rentrer dans ce petit seau d'eau parce que c'est quand même trop petit je pense pour eux. Du coup voilà, est-ce que t'aurais pas un petit cadeau pour moi avant que je parte d'ici, parce que voilà j'ai quand même été sympa. Oh bah merci Robux. Beaucoup, ça fait super plaisir. Il va donner du coup deux paquets d'émeraudes et deux petits paquets de blocs d'or. Donc du coup bah merci beaucoup à toi Roblox, franchement en tout cas moi j'ai beaucoup aimé ta base parce que c'est vrai qu'il y avait des trucs sympathique dans ta base et que surtout que les petits poissons, les requins, ils étaient gentils. Donc du coup voilà, est-ce que t'as un autre truc à me proposer ou quoi, ou je peux y aller maintenant?
Non, c'est bon, tu peux y aller. Je peux y aller, et bien nickel. Bon, du coup, les amis, ce qu'on va faire, c'est que on va y aller tranquillou. Donc, du coup, voilà, en tout cas, c'était plutôt cool du côté de chez Roblox. Donc, du coup, voilà pour ce qui est des lamas de Fortnite d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me proposer d'autres personnages que l'on pourrait faire dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est totalement gratuit. En tout cas, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça deviendra payant. Et là, ce sera problématique parce que vous ne pourrez plus vous abonner aux chaînes que vous aimez. Donc, du coup, abonnez-vous dès maintenant tant que c'est gratuit parce que un jour ça va devenir payant et là, vous ne pourrez plus vous abonner à toutes les chaînes que vous aimez et aux chaînes que vous regardez. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à vous abonner parce qu'il y a des vidéos que je sors exclusivement pour les abonnés. Donc voilà, si vous êtes abonné, vous pouvez voir encore plus de mes vidéos. Et du coup, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à demain pour une vidéo. Restez bien abonnés. Mettez la cloche si vous ne l'avez pas encore fait parce qu'avec la cloche, vous aurez encore plus de vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à cliquer maintenant tout de suite pour regarder une de mes autres vidéos. Allez, ciao, ciao. Hep, t'allais vraiment regarder la vidéo sans mettre mon code créateur dans la boutique Fortnite? Et bah tu sais quoi, mets-le dès maintenant en appuyant sur soutenir un créateur, twinner-du-bas-de-l'XR, tu mets accepter et tu pourras participer à un concours pour gagner des V-Bucks. Allez voilà, sur ce je te dis bon visionnage.